missile magique. Quoi? Pardon? Hein? Pardon? Et bonjour à toutes et à tous, ici le Caméléon, de retour pour un nouvel épisode de... Suicide, parce que j'ai failli me suicider, putain. Avec Ryan dans Tiny, Tina Wonderland, et je crois qu'on a trouvé l'indice. Un crâne. Oula, d'un point de vue existentiel, c'est compliqué. Je me suis pris un crochet dans la tête en essayant d'éteindre la cuve. Dommage que vous n'y ayez pas été là pour ça. Mais je me rappelle comment faire. Faites surchauffer la cuve. Okay. Attends. Ça, c'est ton crâne, mec. Ouais. D'accord. Mais du coup, ton piercing de nez. Comment il a pu être bouffé par un Worm des Mers si le crâne est là? Juste que le Worm des Mers a bouffé tout ce qu'il y avait à la surface, tout. Non, il aurait tout bouffé, et y compris le... À mon avis, il a pas pu réussir à digérer le crâne. Laisse-le parler! Désolé. Ok, au suivant. Fise les yeux! Allez, on fait monter la pression! Ça va bien bousiller la cuve. Bon, plus que la touche finale pour foutre en l'air la fournée concoctée. Un ingrédient tout droit sorti du trou noir. Attends, du trou noir? T'aurais dû te planquer! Ou parer! Enfin, mourir, je sais pas, moi. D'accord. Un ingrédient qui nous manque, mais où est-ce qu'il est? J'ai. Bravo. Ah bah, le voilà. Bien. Balancez-le dans la cuve et adieu la potion. Oh bah, mettez-vous à une distance de sécurité raisonnable. J'essaie de pousser en fait. En fait, c'est quoi cet ingrédient de la mort? Du ketchup et de la mayo? T'es sérieux? C'est un sérieux. Secret pirate. Cela dit, vu qu'ils m'ont enfoncé un crochet dans le crâne, je peux bien vous le dire. De l'ananas. Ouais. Vous en mettez dans n'importe quoi, et c'est dégueu. C'est bien triste que vous n'ayez pas la capacité intellectuelle d'apprécier un peu d'ananas partout. Ouais bah, d'accord, on en apprend des choses sur Caméléon. Je suis d'accord aussi, hein. L'ananas, c'est bon pour certaines choses. Non. C'est complètement foutu. Mais il faut encore intercepter ce qu'ils vont envoyer à savoir dans... Direction les quartiers du capitaine. Ok. Bien que j'ai du mal à comprendre qu'on puisse vouer une telle haine à... l'ananas, mon désir de protéger les habitants de Sabo Ardent prend le dessus. En avant. Vous voulez pas vous croiser, hein? On y va. Qui disait-il, Ryan? Et oh. J'arrive après... vous botter la poupe. Et après, tu sais, moi je dis juste... Leur super plan, c'était de transformer les gens en Worm des Mers, puis de les cambrioler. Mais ce serait pas plus dangereux d'affronter des Worm des Mers que des gens? Oui, ok. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Qu'ils t'empêchent de piller leur maison? C'est pas comme si les Worm des Mers portaient des diadèmes. Non, mais ils peuvent changer d'habitude. Parce que... J'en sais rien. J'aurais mieux un Worm des Mers. Dans ma tête, c'était logique. Bon, on va pas réfléchir plus que ça, hein. On va aider notre pote le pirate fantôme, ok? Ok. 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 Par la barbe de Drill, qu'est-ce que ça veut dire? Surprise, capitaine! Je parie que vous ne vous attendiez pas à me revoir. Alex l'Infect, tu n'as rien fait pour sauver Sabo Ardent de ton vivant, alors tu reviens d'entre les morts? J'aurais dû me douter que tu continuerais à me casser les pieds. Mais la ville est à moi! Oh la vache!
Ça fera du compote. Une belle vie. Je peux lancer mon sort. Eh ben lance ton sort, Kamé. Lance ton sort. Je le lance. Aouh. Mais ça m'apprendra à pratiquer le téléchargement. Le fongus fond sur ses gus. Va falloir faire mieux que ça. Oui. Au revoir. Oh oh. Après qu'on ait tué tout le monde et récupéré le loot en fait. Ah ouais. T'as plus de munitions déjà ? Bah non, pourtant, pourquoi ? Bah j'ai entendu hein, c'est vide. Est-ce que c'est ton cerveau ? Je te déteste. Moi aussi, ma petite dame, moi aussi. Bon, mon inventaire est plein. Mon inventaire est plein et la tête de mon frère est vide. Oh, ça va, hein. Je vais faire un petit voyage rapide. Bah attends. Je reviens. Oh. Quoique, il a pas tort, il y a un gros coffre à l'arrière. Encore de la place dans mon inventaire. Ah oh bah oui, largement. Aïe. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fous encore ? Attaquer, c'est tout ? Ouais, bah justement, c'est pour ça que je te demande ça, parce que j'entends la musique en train de faire... De la baston, quoi. Voilà. Bon, je vais parler à Alex. Vas-y. Alex, ma petite tête de con. Oh bah merci. Non mais j'aime pas trop sa gueule, hein. On dirait un Oni. Ouais bah écoute, ce sera bientôt la tienne, peut-être. Pas, vous. Non seulement vous m'avez vengé, mais vous avez sauvé Sabuardan. Bon. Je sais que vous voulez m'aider à trouver le repos et tout ça, mais je veux d'abord voir cet endroit retrouver sa gloire d'antan. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que vous laisseriez une vulgaire absence de corps vous empêcher de rêver ? Bah oui. Merci. Vous avez mille fois raison. Je vais m'affairer à faire de cet endroit un lieu d'entraide, qui menacera pas de changer les gens en monstres. Ouais. En tout cas, level up ! Ouais. Salut. D'accord. Ouais, comme je savais que la porte allait s'ouvrir, ben, j'ai attendu de l'autre côté de la porte. En fait. Une nouvelle arme pour remplacer mon fusil, mais c'est pas du Black Powder. Ah oh, putain, c'est la seule chose qui l'intéresse. Black Powder, Black Powder. hop là. Voilà. Nickel. Ah, il y a cadence moyenne. Oh non, il est bon en fait. Avec un bon chargeur. Ouais, je vais prendre l'arme de dalle. Et on est sorti ailleurs. Donc, prochain objectif. À l'abordage ou erreur d'écriture ? Bah, l'erreur d'écriture, c'est dehors. Donc, à l'abordage et c'est juste à côté. D'accord.
Mais en tout cas, on n'a pas trouvé l'officine au final. Hein. On a juste trouvé. Une... Non, on a juste trouvé une forteresse en ruine. Ouais, mais l'officine, elle était dedans. Hein. C'est rien d'autre. C'était rien d'officiel, hein, l'officine. Ça se discute un petit peu. Bah écoute, pour une officine officielle, oui, mais l'officine pas officielle des pirates. J'arrive. Sacrum, mon tête de con adoré, mon pirate temporé. Quoi? Et attends, c'est comme ça qu'on se parle entre pirates, t'as oublié? Alors, vieille carcasse en boulant, comment tu vas depuis la dernière fois, hein? Non, vous tombez à pic. Mon cher chartreuse, le vent des voiles de mon cœur s'est fait capturer. Quoi? C'est cet affreux corneau de Gilbert Œil de Bronze qui a fait ce coup en barre. Je lui ferais bien goûter à mon poignard, mais... Il est protégé par la plus puissante des magies. Oh non, pas encore. Armure en scénarium de le chaste. Gilbert s'est introduit sur notre bateau la nuit dernière et a kidnappé le chaste. Il a dû se servir de cette sorcellerie des mers si populaire sur l'île. Allez parler à la chamane du coin. Il faut soigner le mal par le mal. Peut-être pas trop, non? D'accord. Si jamais tu te poses la question de... Scénarium vaut de l'or. D'après la légende, tous ceux qui la portent sont invulnérables. Et Gilbert l'a volé à le chaste. À moins que... Non. Il a dû user d'un subterfuge magique. Ouais. La chamane est une vieille amie à moi. Et je peux vous assurer que sa magie m'a ôté plus d'une fois un sacré oursin du pied. Moi, je pense qu'il y a une raison très simple pour laquelle ce mec a pu récupérer l'armure en scénarium. Bah à ton avis, qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire le soir avant? Ah. Voilà. Donc bon, on va pas faire ça avec une armure sur la peau. Ça, c'est du contraste. Ça dépend de comment elle est l'armure de base aussi. Si c'est pas... On le verra, écoute. Hein. Ouais. D'une vie de malaise. Ne remercie pas. C'est reparti pour un tour. Oh. Allez hop, à la flotte. Allez hop, à la chamane. Je veux pas traîner trop longtemps avec ces têtes de con. Il est sympathique le caméléon cette année. Oh la ferme. On fait tout. Excusez-moi, docteur, c'est vous la chamane? Saleté d'Ophidienne. Je vais leur montrer, moi. Eh oui, c'est elle. Mais là, elle roupit. Ou elle est en transe. Ou les deux. Faut trouver un moyen de lui secouer les puces. Réveillez-vous! Non mais... Non d'une jambe en moi! Cette transe est plus intense qu'un sémioticien. Quoi? Mais n'ayez crainte, vous pourrez réquisitionner un canon près d'ici. Tracez un cap! Mais bon, c'est littéralement juste à côté. Oui. Bienvenue chez Débarcanon, pour tous vos besoins d'artillerie. Plutôt que d'être un boulet, faites parler la poudre. Vous souhaitez tirer, votre excellence? Attends deux secondes. Canon de merde. On est d'accord. C'est pas un canon d'offensive, hein. C'est un canon pour les festivités. Pour bébé.
C'est un canon du genre « Youhou, il y a un navire qui arrive !» Voilà. Et encore. Oh, c'est exquis. N'est-ce pas, Excellence ? Non. Oui, mais il me faut quelque chose de moins exquis et de plus tonitruant. Vous comprenez ? Vous avez entendu, bande de mollusques ? Son Excellence veut que ça pétarade de tous les diables. Ramenez-vous et donnez au canon un bon coup de patate. On va lui montrer ce qu'il a dans le ventre. C'est plus raisonnable. C'est déjà un peu plus raisonnable, mais... Mais... Oh, j'aurais vu mieux, tu vois. Là, c'est plus pour coller une petite embarcation. Ça ne suffit pas. Seul le plus bruyant des canons fera l'affaire. Si possible, il faut que ce soit trop bruyant. Voyez-vous ? C'est bien dit. Le dragonifleur est interdit depuis le jour où il a réveillé les dragons du mont lointain à l'âge d'autrefois. Parle-moi en plus. Amenez-moi ça. Très bien. Dragonifleur, parez au déploiement. Et puis de toute façon, on est des pirates, on s'en fiche des lois. Écoutez-moi bien, bande de larves. Vous allez me faire le plaisir de sortir le grand jeu. Je veux qu'on l'entende détonner jusqu'aux enfers. C'est excitant, n'est-ce pas? Mettez-y un peu du vôtre, bande d'incapables décérébrés. Vous ne pouvez pas poireauter les clients. Merci de bien vouloir poireauter un instant. Émaniez-vous le train. Son Excellence a pas que ça à faire. Toutes mes excuses, ils sont nouveaux. Oh, ils ont pas de mal. Canon, parez à tirer, Excellence. Ne tire pas, attends. Dites-moi, monsieur, est-ce que je peux le chevaucher? Laissez-moi chevaucher. En tout cas, là, on a un gros calibre qui peut faire... Laisse-moi faire. Non. Pas de temps. Non. Oh. C'est bon, ça va, je me lève. Quoi? Je suis réveillée. Mais qui m'a tiré de ma transe quasi mortelle, mais pas trop? Encore ces satanés canons! Oh. Le meilleur des canons! Là, ça te fait couler le cœur assez. Pardon, vous disiez quelque chose, madame? Je n'entends attends, plus attends, rien. Attends, je me rends compte d'un truc. Hein? Où est-ce qu'il va atterrir le boulet? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il a déjà atterri. Regarde, il est juste là. Attends, où ça? Hein? Oh non, c'est que j'ai tout gardé pour moi. Bonjour madame. Quoi? Ça? Il est où le caméra? Rien du tout. À peine une égratignure. Mais là-bas. Si jamais quelqu'un a des soins. Qu'est-ce qu'il fait, le caméléon? Allô? C'est bon, le boulet est à l'eau. Quoi? Maintenant, c'est un nouvel homme qui arrive. Oh, mais que vois-je au loin? Mais oui, c'est ça! C'est un gros tas de merde! Allez! Bonjour, madame! Ça doit être le deuxième canon le plus bruyant que j'ai jamais entendu! Qu'est-ce que t'as dit? Alors, qu'est-ce qu'il y a de si important qu'on peut même plus faire un petit somme? Faut que vous m'expliquiez comment détruire une armure en scénarium. Me demandez pas pourquoi. C'est parce que je dois buter un type qui en porte une. Bah je l'ai dit. Enfin bref, vous pouvez m'aider. Détruire une armure en scénarium. Impossible. À moins d'être une chamane rusée telle que moi. Je ne peux pas la détruire à proprement parler, mais un sort de vraie nature peut changer un individu en petite créature, et l'armure tomberait alors toute seule. Ou le changer en horrible monstre géant suivant sa vraie nature. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais dans les deux cas... Du coup, ça marche comment, votre sorte de mini ou giga créature? Je vais te dire, rejoins-moi aux cavernes voraces et ensemble, nous assemblerons le sortilège. Allons-y voir.
C'est une bonne chose que tu te pointes aujourd'hui. L'autre jour, une bande d'ophidiennes m'a rendu visite et m'a piqué mon chaudron. On le récupérera en temps voulu. Mais d'abord, il nous faut les ingrédients. Les villes morues. Comparses et concubines de Gilbert Œil de Bronze. Morbleu. Sacrum. Alors c'est toi qui cherches à détruire une armure en scénarium. C'est pas le chaste qui en avait une? Je croyais que toi et lui, vous voguiez main dans la main sur un océan d'amour. Et ce jusqu'à la non-fin de nos jours. Mais Chartreuse s'est fait kidnapper et Gilbert Œil de Bronze a enfilé l'armure en scénarium sur son torse velu. Je n'aurai de repos que lorsque mon amour sera secouru et ma lame dans les entrailles de Gilbert. Eh ben... Pourquoi j'ai un Mimi qui vient d'apparaître pas loin de moi? Moi, ce que j'allais dire, c'est que c'était une remarque... un objectif assez sexuel, hein, mon cher Sacrum. Je ne préfère rien dire. Hey, je suis presque à 2 millions de PO. Pour toutes vos entreprises de malédiction et de vexaction. Attends, j'ai cru trouver un dé doré. On doit prélever de l'essence maudite sur des âmes maudites. Là-haut. Rejoins la tombe des écumeurs écumés. Ils ont été assez stupides pour passer la nuit dans ces grottes hantées et se sont fait bouffer par des crabes maudits. Désormais, ils partagent la malédiction et se transforment en crabes quand ils sont affaiblis. Invoque-les à l'aide du creuset. Et quand ils se transformeront, abrège leur souffrance. On utilisera leur essence salée pour concocter le sort. Je n'ai pas toujours fait confiance à la chamane, mais... Elle m'a sorti la tête de l'eau une paire de fois. Une fois qu'elle aura son chaudron, nul doute qu'elle pourra remédier à notre problème. Oh mais j'arrive pas à monter. Comment t'as fait Comment t'as fait Bah attends, je reviens. Ah attends, non c'est bon. Je me suis trompé de moyen. Et t'as fait combien par pire Un chiffre chanceux, un 7. Oh ça passe, oui. Voilà. Ouais, uniquement parce que le 7 est un... Ça passe uniquement parce que le 7 c'est un chiffre porte-bonheur, mais... Oui. Ah, tu retires le canon. Pourquoi pas Comme si le gros canon ne suffisait pas. Maintenant, place ah, justement, c'était pas assez. Regarde la magie opérée. Alors, un creuset, c'est pas comme dans Horizon. Hein. Ton odeur est certes... nauséabonde, mais je ne t'échangerai pour rien au monde. Oh la vache. Ça y est, il est transformé. Zigouille-le et récupère son essence. Voilà. Oh oh. En voilà un autre. Ça n'a aucune chance. Le bordel que c'est. Ouais. Je te sors un sort. Positif. Tous les marins savent bien que se faire maudire à l'essence, ça porte malheur. Tu concasses les crustacés comme personne. Excellent. Mais pour lancer le sort, j'ai besoin de mon chaudron. Retrouve-moi sur la plage, derrière ma cahute. Oh, on fait des allers-retours, là. Prends garde, surtout. Les ophidiennes ont englouti plus de matelots que les terribles récifs de l'épée katana au poignard machette. De quoi? Katana au poignard machette. Je vois pas c'est quoi, moi. C'est censé être le nom d'un lieu. C'est vrai.
Bon, ouais, passer par là alors. Allez, on renvoie ces villes morues dans l'océan sournois où elles auraient dû rester. Prends mon chaudron et prépare le sort. Ok. Encore plus de fidèles. Pauvre Clara. Hein? Oh mon Dieu. Les voilà. Mais à qui elle parle? C'est pas Gilbert œil de bronze? Gilbert est là. Je déploie mon navire. Ne le tue pas avant que j'arrive. Ah, c'est comme si on pouvait avec son armure en scénario. Ouais. Je suis d'accord. Tu as tué mes alliés Ophidienne. Viens par là que je puisse voir ta tête de coupable. Bah vas-y, Camé. J'arrive. Salut, tête de con. Qui que tu sois, et aussi sexy sois-tu, ouais. Tu vas rejoindre mon équipage de matelots morts-vivants. Une fois qu'on t'aura fait la peau, bien sûr. Non, merci, je suis pas de ce genre-là, moi. Matelots, à l'attaque! Tâchez de tenir le coup! J'arrive toute voile dehors! Quoi, c'est tout? Il y en a un qui allait s'enfuir. Regardez-moi cette bordée jusqu'à ce que l'offre a chassé. La chrome. Ah, enfin. Zach, c'est bon ça, j'ai mis là. Hein, quoi? Aucune pitié, j'adore. J'ai rien compris à ce qu'il a dit. Disséminés aux quatre vents, aux sept thermolites et aux 12 sommets du monde. Oula. Oh non ! Bien couru ! Aou ! Mon bel équipage ! Tu vas nous le payer ! Sans doute. Cette bernique à foie jaune s'enfuit. Il retourne dans sa grotte, j'en suis sûr. Oh, tu peux rien pour attendre, Gilbert. Je vais sauver Chartreuse et te régler ton compte. C'est Phil Morue de malheur. Tu vas mourir si tu continues par là. Ça crotte. Contente de toi. Ça fait un bail depuis notre dernière aventure. Tu pratiques toujours les arts occultes de la mer? C'est bien pour ça que tu viens me voir, non? Bon, toi, balance l'essence maudite dans le chaudron. Bon, tu me rends là un fier service. Merci infiniment. Hop là. C'est bon, remplis le creuset et tu pourras transformer Gilbert œil de bronze pour le déloger de l'armure. Et il est où le... Composition, bout de crabe et autres ingrédients douteux. À tes pieds, crétin. Ah, merde. Bien joué, chaman. Et vous aussi, quel que soit votre nom ou votre métier. Maintenant, direction la grotte de Gilbert œil de bronze pour sauver Chartreuse. Dépêchons-nous. Une longue marche suivie d'une longue nage nous attend. Vous savez nager, pas vrai? Tu m'insultes, Sacrum. Voyons, je vais vous créer un portail. Voilà, c'est quand même mieux. Allons-y. J'allais dire qu'on a un... Tu es avec le chaste depuis de nombreuses lunes, Sacrum. Pourquoi n'en as-tu jamais fait ton matelot pour la vie? Bonne question, chaman. Quand Gilbert œil de bronze nourrira les poissons et que ce cher chartreux sera libre, j'y songerai. J'allais dire, je sais nager, mais pas avec 100 kilos de matelot sur le dos. Ouais, c'est ça le plus gros problème dans ce genre de situation. Allez, hop. Alors, je pense pas qu'on soit à destination. Où sommes-nous? Je me pose aussi la question. Hein. Puisque je viens de traverser un portail.
Bon, non, en fait. On n'est pas loin. Mais on est aussi pas. Proche. Je sais pas. Écoute, on y va. Dépêchons-nous avant la fin de la vidéo. Oh, y a que ça qui pense. Maintenant, tentez des pourparlers. Inutile de faire couler davantage de sang, à moins que ce soit le sang de Gilbert Œil de Bronze. Oh putain. Pourparlers ! Excusez-moi, j'ai un pourparler à effectuer. Un petit pourparler, vite fait, avec votre capitaine, si ça vous dérange pas. Pourparler ! Vous avez un rendez-vous ? Pourparler ? Non, j'en ai pas. Ça va, ça pose pas de problème. Pourparler ! Alors, puis-je vous demander, quel sujet souhaitez-vous aborder avec le capitaine Gilbert ? Pourparler ! Je dois lui dire de nous rendre le chaste, sinon ça va mal se passer. Pourparler ! Ça ressemble à une menace. Je croyais qu'on était en pourparler. La politesse, c'est pas pour les chiens. Pas question qu'on vous laisse entrer avec ce genre d'attitude barbare. Maudit soit l'art ancestral des pourparlers. Il compte invoquer la loi pirate pour nous barrer le passage. Je crois que j'ai passé pas mal de temps à récupérer du jus de sortilège, quelque chose comme ça. Ça pourrait marcher, non? Excellent! Ça pourrait marcher! Les créatures marines ne sont sans doute pas soumises à la loi pirate. Utilisez un sort! Ok. Pour parler! Je vais vous exploser. Pour parler! Ça a marché! Regardez! Leur carapace de lâche ne fait plus rien pour eux. Maintenant, tuez-moi ces crabes tout mignons! Mignon, c'est grave. Ah, ça serait mignon si ça bloquait pas nos balles en fait. Ouais, voilà. Heureusement que moi j'ai les attaques de mêlée. Ça va pas passer loin. On a failli enfreindre la loi pirate. On aurait eu droit à un procès pirate, une amende pirate, voire des travaux d'intérêt général pirate. Y'a pire. À présent, tuons le séduisant Gilbert et libérons mon chartounet. Alors, pour répondre à ta question, pire, la prison pirate. Tu sais pas ce qui se passe entre les quatre murs. C'est pas faux. Tu veux pas savoir. Je sais, j'ai compris. Mais, Sacrum, t'as vraiment un problème, hein. Pourquoi? Je pense qu'il y aura un plan à 3. Ah non, non, je pense pas, non. Ouais, d'accord. On va le sauver. J'ai l'armure en scénarium, ainsi que ton cher et tendre. Un pas de plus, et je le zigouille. Ok, bah je vais rester là alors. Tu es venu. J'allais pas te lâcher comme un bigorneau, mon amour. Votre mièvrerie me donne envie de rendre mes boyaux. Maintenant, éliminez leur acolyte. Tuez l'équipage de Gilbert et laissez Drill faire le tri. On démarre, c'est ce qu'il attend, mon dieu. On monte le chat comme c'est tragique. Et même si ma flébuste a perdu de son renom. Aïe 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 aïe. Merde. Ah merde. J'ai fait péter le tonneau, mais c'était pas pour toi. Ah parce qu'en plus c'était toi qui m'as tué. J'ai pas fait exprès, je voulais assassiner à tout temps l'esprit avec le tonneau. Pas toi. Ouais. Oh, putain, j'arrive pas à la bataille encore. Tu crois avoir gagné? Équipé d'une loyauté sans faille. Admire plutôt une pointe de sorcellerie des mers et le sacrifice d'une âme innocente. Oh mon dieu. Chartreuse, non ! Et sur ces mots, Gilbert Œil de Bronze se met à drainer l'énergie spirituelle de la chasse. Pour réinvoquer des mobs.
dégager son cadavre. Ce temps de recharge a duré 3 plombes, sérieux? Toujours debout. Et ton cœur n'est plus qu'une coquille vide. Je te laisse avec ce qu'il reste de ton amoureux. Et tu sais où me trouver. Le compagnon sexy de mes tribulations maritimes. Ce corps va me manquer. J'ai travaillé si dur pour me raffermir le coccyx. Mais le temps presse, Zack, mon amour. Tu dois arrêter, Gilbert, je... Je ne sais pas si je vais pouvoir résister à cette tempête encore longtemps. En avant, camarade. Ce salopard est à bord de son navire, prêt à s'enfuir. Ok, on verra ça au prochain épisode. Si j'arrive à sortir de ce trou. Tu sais qu'il y a deux échelles en fait. Je sais. Bon, bah écoute. Donc sur ce, on va vous dire à la prochaine. Portez-vous bien et ciao. C'était Caméléon Rewind dans... Tiny Tina's Wonderland, TP. Oh l'enfoiré. Allez, ciao. Je me désolidarise. Oh, faut tout faire à la main. Ah, un dé doré. Ah bah bravo. Avec un coffre. Bah tu peux faire ça avant que je parte. Moi, tu me diras, ça aurait rien changé, j'avais l'inventaire plein. Mais on sera le butin. 17. Ah, c'est bon ça. Il y a un nouveau fusil sniper. Oh, hier. Oh, oh. Ciao à tous.